Hey, what's up guys? Mon nom c'est Wallet et aujourd'hui on a quelque chose de spécial pour vous parce qu'aujourd'hui c'est le début de notre série Pokémon Shield Wonderlock. Donc là dans le fond, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un playthrough de Pokémon Shield mais de la façon Wonderlock pour s'ajouter un petit challenge. Donc on va s'appeler Wallet. Donc pour ceux qui savent pas vraiment c'est quoi un Wonderlock, dans le fond Wonderlock, c'est comme un Nuzlocke. Tu vas me dire, mais Étienne, si je sais pas c'est quoi un Wonderlock, je sais pas c'est quoi un Nuzlocke, hey, je vais tout te dire ça. Les règles vont être toutes dans la description aussi, là, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Là, fait que je vous expliquerai pas tout ça dans la vidéo. Là. Mais le plus important à savoir, c'est que si un Pokémon meurt, il meurt pour toujours. Je peux plus l'utiliser. C'est terminé pour le reste du playthrough. Aussi, je dois essayer de capturer le premier Pokémon que j'encontre de chaque route. Aussi, les villes, les caves, les forêts, toutes les routes différentes, tous les lieux différents comptent pour une place où est-ce que je peux capturer un Pokémon. Si j'attrape pas ce Pokémon-là, je ne peux pas capturer de Pokémon dans cette région-là. C'est terminé. Aussi, le Wonderlock vient du mot Wonder Trade. Dans cette génération-là, ici, ça s'appelle Surprise Trade, mais c'est quand même Wonderlock que ça s'appelle, je te dis. Donc, ça va être, dans le fond, tous les Pokémon que je capture, vont falloir que je les échange de façon surprise. Donc, on va bâtir notre équipe carrément aléatoirement. Là. Donc, ça, c'est aussi. Pour notre starter, dans le fond, vu qu'on peut pas trade immédiatement le starter, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on peut l'échanger, on va le faire et on va pouvoir entraîner le Pokémon qu'on va recevoir jusqu'au niveau où ce que notre starter était sans devoir appliquer les règles de la mort, si vous voulez. Là. Mais ça compte juste pour ce Pokémon-là. Pour les autres Pokémon qu'on va recevoir, il y a certaines règles à respecter. Là. Parce qu'en fond, j'ai mis un level cap pour chaque gym. Fait avant d'arriver au gym numéro 1, faut pas dépasser level 20 et ainsi de suite. Là, ça va monter de 5 levels pour chaque gym. Donc avant d'aller au gym 2, on dépasse pas le level 25, gym 3, 30, ainsi de suite. Donc là, je fais quand même le tour un peu des règles, il y en a quand même vraiment beaucoup. Si on reçoit aussi un Pokémon qu'on avait déjà en double ou un Pokémon de la même famille, mettons qu'on reçoit un Butterfree puis qu'on avait déjà un Caterpie, on a l'option de soit retrader ou de garder si le Pokémon qu'on avait de cette famille-là est mort. Donc Pokémon Shield, guys. J'espère que vous êtes excités. Moi, j'étais excité. J'avais vraiment hâte de record ça. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Là. J'ai comme un petit trémolo d'excitation dans la voix. Là. Donc, ça va être vraiment le fun. Le layout va être updaté après chaque vidéo, dans le fond. Là. Donc, là, vous verrez pas personne dans le layout parce que je connais pas à l'avance ce qu'il m'a à voir. Là. Puis que je suis pas un pro de l'editing. Donc, on va voir le petit Wallet ici, là, qui est juste son cellulaire. Pas vraiment différent de la vraie vie, là. Écoute sûrement du YouTube ou du Pokémon MD. Donc, je sais que sur le Discord, il y avait beaucoup de monde qui a fait le Egglock Challenge, qui était vraiment aussi un challenge qui était vraiment intéressant à suivre. Là. C'est quelque chose que j'aurais aimé ça voir en vidéo. Là. Donc, de là, j'ai pensé aussi faire un Wonderlock. Parce que le Egglock, j'aimerais faire un Soul Link Egglock pardon, avec Raikou. Donc, ça serait quand même assez intéressant comme projet. Donc, mais je voulais un petit projet à moi. Et de là est parti le Wonderlock. Donc, c'est parti, on va commencer ça. Je pense qu'on va commencer à aller chercher notre starter. Fait longtemps que j'ai pas joué du début du jeu, là, honnêtement. Eh oui, mon sac. Tout est sur le même niveau ici, là. C'est fou, là. Il y a pas... Tout le monde... On va remarquer qu'ici... Je sais pas ça va où, cette chambre-là. Peut-être à la chambre de ma mère, là. Mais sinon, ma mère, elle a pas de chambre. Donc, on va prendre notre beau gros sac. Sexy boy. Ok, c'est beau. Il n'y a pas d'ordinateur ici, non? Ok, c'est parti. Désolé du petit délai, là. Je voulais être sûr de rien manquer, pas vous dire « Hey, tiens, il y avait ça, là! »
C'est beau, j'ai compris. Je voulais vérifier avant de le faire dire, tu sais. Badou! Donc là, en fond, je pense qu'avant d'être capable de trade, on va avoir accès à deux Pokémon, là. La route 1 et la route 2. Si je me souviens bien d'avoir lu là, sur internet, je checkais un peu avant de commencer ça là, pour me donner une idée. Là. Donc on devrait avoir 3 ou 2 Pokémon à trade. Wooloo. Hey, you silly Wooloo, I see what you're up to. Don't go using tackle on that fencing. Now, you listen. No going past that fence. No. Parce que là-dedans, il y a deux gars avec des drôles de tête, fait que tu veux pas aller là. That's why. Ah, lui, un beau petit sac, mais j'ai une grosse valise brune dans le dos. Je me souviens la première fois que j'ai joué à ça, je capotais tellement que je trouvais ça nice, je trouvais ça beau. Oui, c'est le fun, les sprites, j'aimais vraiment ça quand j'étais plus jeune. Ah, tu sais, c'est cool, c'est. Memory Lane, you know. J'espère que c'est cette maison-là qui parlait. Rentre chez le monde comme rentrer dans une boulangerie. Yep, that's me. Léon qui est comme ma mère, elle est tout le temps en retard. Et là, on va aller meet le champion. Hey, what's up, boy? Y'avait-tu quelque chose en haut dans la chambre à notre buddy? Oh, what? Des poids, ça c'est Leon. Ok, no. Sorry, grandma. Bon, let's go. On s'en va voir Leon. Là, le but du vidéo aujourd'hui, c'est au moins de me rendre là, jusqu'au fait qu'on puisse échanger notre starter, dans le fond. Là. Ça serait mon but aujourd'hui. Si on est capable d'arriver jusqu'à là-bas, là, ça serait bien pouvoir mettre le layout là, des Pokémon qu'on va avoir. Donc, on arrive à la ville. Là, vous me direz dans les commentaires là, si vous voulez que je lise les textes de tout le monde, pas qu'il y ait des gros moments de silence, ou si vous êtes down qu'il y a des moments de silence, je sais pas comment que vous voulez roll with it. Je connais pas vraiment votre personnalité à ce niveau-là. Moi, je sais que j'aimais bien quand le monde faisait les voix des personnages. Donc, si jamais vous voulez m'entendre faire toutes les petites discussions, ça me va. Vous ferez juste me le dire dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Là, je skip un peu les conversations, là, parce que c'est pas comme si le jeu venait de sortir. Là. Le monde a le temps de jouer en masse au jeu, donc je sais pas si ça vous intéresse de lire tout ça. Là. Comme je vous dis, si jamais vous voulez que je lis tout ce que le monde dise, ça va me faire plaisir. Vous pouvez juste le dire dans les commentaires, pour vrai. Là. Ça peut juste rajouter un peu de drôle, mais pour l'instant, je le fais pas, parce que je me dis si pour 50 autres épisodes, il va falloir que je fasse les voix de tout le monde, un petit break dans le vidéo numéro 1, ça change pas vraiment grand-chose. Ouais, on vient de déménager, mais il a entendu loads of shit par rapport à nous autres. Bon, on va aller chercher notre starter.
Starter, le choix du starter ne change pas vraiment grand-chose, comme je disais, là, parce que dès qu'on peut l'échanger, on va l'échanger. Donc, on prendra pas vraiment le temps de s'attacher à cette petite bête-là. Là. Je me souviens quand les artwork des starters avaient sorti, j'étais comme oh, Team Sobble! Sobble, il est vraiment nice! Après, j'ai vu sa deuxième évolution. Ben, sa première évolution, j'étais comme Alors là, j'ai vu la deuxième évolution, j'ai fait no. J'ai finalement choisi Scorbunny pour mon playthrough personnel. Fait que si tu prends, on prendra pas son bord, ça serait chiant. Tu le prends, tu l'échanges, pauvre petit. Hein. On va le donner à Up. On va prendre Gookie. À l'honneur du Rillaboom G Max des South Shore Brion. Represent. Yeah. Grookey, make that little boy. Pas de nickname. Si je garde de nickname, ceux que je reçois par trade, on va le faire. Mais lui, ça change absolument rien. Aussi, si vous avez des idées de nickname, là, shootez-les dans les commentaires. Là, je vais probablement prendre vos noms aussi là, comme nickname. Là. Donc, ça risque d'être pas mal cool. Donc là, comme je disais, les levels qu'on va pogner avec Grookey, on va pouvoir monter notre Pokémon qu'on va recevoir jusqu'à ce niveau-là. Puis sans devoir s'inquiéter du Death Rule, dans le fond, là. Le Rondolock d'habitude commence quand t'as une Pokéball. Dès que tu peux attraper des Pokémon, si ton Pokémon meurt, ça le tue dans le fond. Là. Mais là, jusqu'à temps qu'on arrive au moment où on peut trade, la Death Rule la comptera pas vraiment. Je serais pas qu'il se prête de sacrifier tout le monde. Mais, un crit, c'est si vite arrivé, comme vous allez sûrement voir durant cette série. Donc, on apprend ici que Hop a couché avec son partner. Moi aussi, ça a l'air safe. Donc, on va voir le premier match contre Hop. Match difficile. Je ne sais pas si on va gagner. Évidemment, je niaisais, là. Let's go! Hop, qui va sûrement nous parler du Type Advantage, comme si on n'était pas Joe courant. Hashtag, j'ai perdu en finale du cup. Nice. Là, ça serait bien d'avoir pas mal de level up pour pouvoir monter notre Pokémon qu'on va trade. Une des règles aussi, là, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser des expériences candy pour monter notre level. Donc, c'est carrément juste du grinding qu'on va faire. Mais ce qui est bon, c'est que tous les Pokémon level up en même temps. Donc, et ceux qu'on fait par trade level up plus vite, c'est à cause du boost d'XP. Donc, c'est exactement pour ça que j'ai mis que les Pokémon dans le fond, que je vais recevoir, il faut qu'ils soient 10 levels en dessous du cap. La limite du cap, pardon. Parce que sinon, ça n'a pas d'allure. On va dépasser le cap et je ne pourrais plus utiliser personne.
Aussi, je sais pas si je l'avais dit, si je rentre dans un gym, je peux pas sortir pour me heal. Faut que je gagne le badge avant de sortir. Donc ça va être à faire attention là. Vous risquez de me voir aller au Pokémon Center avant de faire mes matchs. Hein. Avant d'aller chercher le badge, pardon. Hein. On va le poker avec notre branche. Si voir! Ah, ok. Je l'avais dit qu'il allait avoir des cuites, là. Hein? Je pense que ça va t'arranger, par exemple. On est rendu au level 7. Mais ça va vraiment falloir faire attention pour pas tuer les encounters qu'on va avoir, parce que dans ce jeu-là, il n'y a pas beaucoup de routes. Donc, je pense que... Là, je me fais penser en parlant de ça, mais je pense qu'on va avoir comme au total 14 encounters. Donc, il va vraiment faire attention à qui on laisse mourir et qui on laisse pas mourir. Ça m'a fait penser aussi, là, le World Area, je l'ai divisé en deux. En deux régions, là, le nord et le sud. Si jamais je vois que je perds tous mes Pokémon et qu'il m'en reste un ou deux, là, on discutera ensemble, moi et vous, de si vous me laissez capturer un Pokémon par chaque mini-région du World Area. Mais je pense pour être fair et pour acheter un niveau de difficulté, pour l'instant, je vais laisser ça à North et South. Donc, là, je viens de voir le mot Rapidash, donc à être là, pour ceux qui suivent la QPL, j'ai effectué 3 trades. J'étais obligé de faire une vidéo par rapport à ça, mais j'ai pas vraiment de content. Faire une vidéo pour vous parler de 3 minutes, je pensais pas que ça valait la peine. Là. Donc, j'ai trade Jirachi pour Ninetales Alolan. J'ai trade Chandelure pour Rapidash Cantonian. Puis j'ai aussi trade Ninjask pour Indeedee Maul. Le Maul qui est plus rapide puis qui est plus... Il y a plus de stats offensives en termes de spécial. Okay. J'ai hâte de pouvoir trade mon Pokémon. Parce que honnêtement, c'est ça le but, c'est ça l'excitation. Oh ouais. Ah, c'est vrai, faut aller chercher Wooloo. Ah, bro. Of course we got to save it. Dumbass. Ah, mais je le sais que c'est là-bas. Oh là là, le tutoriel. Il devrait avoir une façon de skipper ces affaires-là pour elle. Quand tu joues depuis Fire Red, là, ben depuis Red, pour ça, parce que vous savez ce que je veux dire. Là. Je pense qu'il fallait pas l'attraper celle-là. On a-tu des Pokéballs? Ouh! J'ai eu peur! Bon. On va aller trouver Wooloo. Ah oui, je pense que c'est là qu'on rencontre notre légendaire. Hein. Goodbye, Rookie D. Hi, ça va pas donner grand XP, ça. Bon, je suis arrivé à la fin. Ah, oh, sacrement.
Bon, je pense qu'on arrive bientôt. Là. Ça, c'est du Thick Fog. Oh. This is mad. Hier, ma blonde écoutait, ma femme, pardon, elle écoutait une vidéo avec moi de mon match de QPL, puis elle était comme, ah, ça, c'est ton bonhomme, ça? Elle dit, ah, il n'y a pas de barbe. J'étais comme, non, il n'y a pas ça dans ce jeu-là. Les deux, on n'a pas pensé que nos personnages ont genre 10 ans. Ça ferait quand même vraiment drôle de voir Little Wallet avec la barbe à 10 ans. Là. Évidemment qu'on a personne avec DeFi dans notre équipe à ce moment-là. Ça aurait été pratique. We gone. Bon, tu commences là. J'ai vraiment hâte de perdre le Wonderlock en finale contre les Aitchin de Hop. Bon. Je vais dire à ma mère que je m'en vais. Moi, dans la vraie vie, je suis genre à sortir de la maison puis juste m'en aller. Quand j'habitais chez ma mère, là, c'était comme, bye. That's it. Ah, pas besoin d'avoir une discussion avec elle. Bon, ah oui. Let's go, mom. Oh, route 1, je pense qu'on va avoir le premier encounter ici. Mais on a toujours pas de Pokéball. Oh, oh shit, oh shit. Ouais, là on a des Pokéballs, donc faut attraper le premier Pokémon qu'on va rencontrer ici. Évidemment qu'il nous force à passer ici là-dedans. Donc ça change pas vraiment grand-chose qui qu'on pogne en premier. Là. L'important c'est qu'on l'attrape. Donc, tout est vraiment sur le level, là, je suis pas tant sûr que j'ai envie de toucher. Là. Level. Oh, level 5. Oh shit, ok. Bon, c'est bon.
Là, ça ne servira pas grand chose à de l'entraîner lui parce que notre autre Pokémon qu'on va avoir, on va l'avoir au niveau qu'on va l'avoir. À moins qu'il dépasse le cap. Là. Mais sinon, si il est level 1, on peut pas le level up d'aucune autre façon. C'est ça qui est ça. Si on est au level 1, il va falloir y aller avec notre starter puis solo run un petit peu. Donc, on va le capturer. Taunt. Rillaboom qui a un sale moveset pareil. Hein. Ce Pokémon là il est vraiment OP. Hein. The Ultimate Charizard, ben oui. Il manque pas de forme, lui, hein. Ah, t'es sérieux? Bon, let's go in! Hey, on est quasiment rendu à la demi-heure déjà. Là. Pas trader personne encore. Je pense qu'on va vraiment finir avec le trade. Donc comme je vous disais, ça va être une vidéo vraiment plus longue aujourd'hui. Là. Il s'est pas vraiment pas passé grand chose. Oublie pas de me laisser savoir là, si vous voulez que je lis toutes les conversations. Là. Je suis content de pas les avoir lues parce que c'était du tutoriel de A à Z. Là. Pas vraiment appris grand chose. Il aime peu le Corgi. Bon, Pokédex. Donc je pense que c'est quand on meet la grand-mère après la route 2 qu'on... Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, merci. Hey, c'est vrai ce qu'il a dit, là. Je les skip, là, mais knowledge is power, guys. Donc, à noter là, que là, on est dans une ville. S'il y aurait un étendue d'eau dans la ville, ça pourrait compter comme un encounter, là, si vous voulez. Là. Non, c'est pas mon first time, buddy. Mais vu que c'est un Nuzlocke, on va acheter des potions. Much. 31 000 piastres! Oh, sacrement, man! Donc, on va acheter 15 potions. On va acheter 2 antidotes. 2 burn heal. Parce qu'il faut pas oublier un peu que si je rentre dans un gym, je peux pas sortir du gym. Tant que j'ai pas battu le boss et que j'ai pas eu le badge, donc. Je peux même pas acheter de Pokéball, c'est 6. Nice. Bon, come again. On vient de franchir la barre du 30 minutes, là, mais
D'habitude, les vidéos vont dire à peu près ça, 30 minutes. Mais je veux juste au moins me rendre à pouvoir avoir, savoir qui que je mets dans le layout. Là. Puis je suis excité de rencontrer nos premiers Pokémon aussi. Là, parce que là, c'est quand même dur de s'attacher à des Pokémon que tu sais que tu vas échanger. Là. Ou si jamais vous voyez que j'ai oublié un item caché quelque part que vous le savez, là, dites-moi là, on ira le rechercher. Un petit peu de backtracking. Route numéro 2, donc là on peut capturer un autre Pokémon. Go over here. Ah bro, je n'ai déjà un Pokémon là, genre je pense que je sais pas comment les capturer. What? Ok, I see you. C'est pour ça que je ne pouvais pas en acheter. C'est mal, ils en ont les 20. Hein. T'as assez quand t'es sponsor. Là. Il doit être bien chum avec Ball Guy. Là. Donc là, ici, c'est pas grave si on capture le même Pokémon que tantôt. Là. L'important c'est qu'il n'y a pas de doute dans ce qu'on va recevoir. Oh. Je pensais que j'étais ill. Qui va nous lire? Le, pour le starter, évidemment, là, s'il meurt, c'est pas grave. Là. What? Oh my god. Ok. J'ai dit, c'est pas grave s'il meurt. Oui, c'est quand même grave. Là. On peut pas exprès, là, mais je veux dire, les, Pokémon, les autres Pokémon que je vais attraper, si avant de les échanger, bien en fond, ça arrivera pas là, parce que je vais pas les enlever direct. Là, donc, ça marche pas ce que j'allais dire. Là. Donc, oubliez ça. J'ai rien dit. Ok, c'est bon, là, je peux essayer de le capturer sans avoir peur de mourir. Tu sais. Je pense qu'il m'a pas cuit, mais c'était fini pour Groupie. Good. Trade. Fait que là, on va avoir 3 Pokémon à trade. Donc là, c'est vraiment cool. On va avoir 3 Pokémon à acheter au layout. Je suis vraiment excité. Ah, c'est bon, merci. Ah. Oh. On va-tu finir par ça? Hein? Ça me fait chier, ouais, des Pokémon, des potions sous vous autres. J'ai pas de berry, mais non. Youngster Jake. Ça fait 2 hit KO. À moins que ce soit un roll. Au moins, il y a juste un Pokémon. Non, ça veut dire que le Pokémon qu'on va recevoir en Wonder Trade contre Gookie. Ah, t'es sérieux. Ah, c'est un roll. T'es sérieux, man. Pourquoi tu fais durer le plaisir, là? Donc, ça veut dire probablement que le Pokémon qu'on va recevoir contre Gookie, on va pouvoir le monter jusqu'au niveau 9. Sans s'inquiéter qu'il crève. Donne-moi mon cash là, qu'on s'en aille. Ah, oh, t'es. Ah, oh. Oh, ça va la peine. Bon. Ah, oh, oh. Je veux juste échanger mes Pokémon.
Ah ouais, là. Petite madame. Chudo. Oh boy, ça sera pas long. So weak. Bon, le bout de fun commence bientôt, guys. 40 minutes plus tard. On arrive. Ah, oh, hey, sacrément. Blip bug. Lui, il a deux Pokémon. Ok, sick. Bon. Il en reste juste un, après ça on va pouvoir faire nos trades. J'ai vraiment hâte de faire les trades là, pour voir faire un playthrough avec des Pokémon que tu n'utiliserais pas d'habitude. Là. J'ai vraiment hâte de voir quoi qu'on va se ramasser aussi. Hein. Ouh! Grookey qui est quasiment au niveau 10. Je sais pas pour vous, mais moi quand je rentre de chez ma grand-mère, quand je ressors plus gros qu'avant que je rentre. Bon, peux-tu trade nos Pokémon? Non, pas encore. Il m'attend dehors, pourquoi lui-là? Oh, faut qu'on battle encore. Gookie va vraiment être level 10. Ou même level 11. Let's go, finis ça là. Et c'est pas drôle, 40 minutes de tutoriel avant que ça parte. C'est ce qui s'appelle tuer l'excitation à la source. Ça va être un full sweep rookie. Je
sais pas c'est quand le premier gym, à peu près à partir de maintenant. Mais je pense que le meilleur Pokémon du gym numéro 1, il est level 20. Donc il est level de notre cap. Quand on va tout être un petit peu under-level pour les premiers gyms, je pense qu'après ça se calme. Donc le cap, c'est là-dessus que je me suis basé. Là. J'ai regardé sur internet c'était quoi les levels maximum de chaque gym. Oh, that's a crit. Même pas un gros roll, wow. Un gros roll sale. Would be a close one. Pas en tout, chum. Je te décalisse. Je prends du temps parce que ton rival c'était vraiment un rival puis qu'il était vraiment meilleur que toi. Pas à Star comme quand il te prend pour un bébé puis qu'il te donne le Pokémon contre lequel t'as un avantage. Je pense que ça a commencé dans X and Y. Ça. Bon. Là, dis-moi qu'on peut trader nos Pokémon. Madame va nous donner notre bracelet Dynamax. A letter of endorsement. Ça, c'est comme vignette en crise. Hein. Non seulement ça tombe à côté de nous, mais il y en a deux. Il va falloir vérifier si cet étendue d'eau-là ça compte pour la route 2 ou si ça compte comme une ville. Là. La maison de la madame, je parle. De toute façon, on n'a rien pour surf ou pour fishing là-dedans aussi, en ce moment. Alors, ça va être un premier vidéo vraiment trop long. Où ce qui s'est vraiment pas passé grand-chose. Le moment excitant s'en vient, j'imagine. Là, où ce qu'on va avoir nos trois Pokémon, qu'on va savoir avec qui qu'on commence l'aventure. Je vais essayer d'uploader ça de façon assez constante, là. Probablement le lundi, mercredi et vendredi. Là, je sors la première vidéo comme ça, c'est comme un pilot, si vous voulez. Là. De toute façon, c'est pas passé grand chose dans ces trois vidéos, dans cette vidéo-là, pardon. Là. Yeah, looking good! Let's go! Bon, c'est parti. Êtes-vous prêts, guys? Ah, oh, t'es... Oh. Oh, my God. Ça va être un long process. On va aller... Ah, oh, sacré.
Oui, ben oui. Oui, c'est bon. Oui. Let's go. Hey, tata. Harper, what? J'ai pas accès à une... Je peux pas sur Price Trade. J'ai pas de Pokémon dans mes box. Aïe, c'est quoi? What? Je sais que c'était le Pokémon de la madame. Oh non. Level 8, holy crap. Ah, ça va être pratique, ça. Ça va être pratique. Hey, give me a fucking break, dude. Je vais aller voir au Pokémon Center si j'ai pas moyen d'activer mes boîtes, là. Pour aller parler au Rotom Box. Bon! Donc, on va trade nos deux encounters. Après ça, on va trade notre starter. Là, c'est le bout de la fun, là. Come on. Ça, c'est vraiment anticlimactique. Oh, trade completed! Donc là, le Pokémon qu'on va recevoir peut pas être plus haut que le level 10, vu que le cap pour le premier badge, c'est le level 20. Oula, 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 oula. Ok! Ok! Ben, on va avoir notre Flying Type. Ah, oh, en français en plus. Ah, oh, c'est une non-lettre. Et level 2, ok. Là, on va trade notre Rookie D. Là, notez que si on reçoit un doux, si, vu que le net est pas mort, on rééchange. Donc, let's go. Moi, j'ai surtout vraiment de voir qui qu'on va avoir comme starter officiel. Et ça va vraiment avoir été un 50 minutes à vous faire perdre votre temps, guys. Je suis désolé. Ah, PokémonLab.com, nice. Sick. Mais oui, quasiment legit, hein? Ah, t'es quel niveau? Level 100. Ouais, je pense qu'on t'en trade, mon boy, parce qu'on verra pas du playthrough. C'est vidange. Pour vrai, là. C'est vraiment une plaie, ça, cette affaire-là.
sais pas vous autres, là, mais moi, ça m'arrive tellement souvent de chercher pour un fight puis d'avoir oublié de me connecter à Internet. Là. C'est la première affaire quoi, que je pense quand quelqu'un me dit que c'est long. T'es-tu connecté à Internet? Pour vrai, genre, quand tu cherches, ça devrait connecter automatiquement, pour vrai. Bon, désolé Kev de t'envoyer cette petite vidange-là. Ouh, hey, sac, oh my god! La diversité, toutes les choses! Ça part fort! D'après moi, tout le monde a décidé de partir un Wonderlock à matin. J'espère qu'on va avoir plus de chance pour notre starter. Niveau 60! Ah, sacrement, man! Qui c'est qui a ça, un Wooloo level 60? Là, je vous dirais bien qu'on va faire un œuf de ce Pokémon-là, mais j'ai pas de Ditto. Puis je pense qu'il est quand même loin, le premier daycare. Let's go, s'il te plaît, là. Third time's the charm. Let's go, Jukilu. Un Vulpix, ça serait excitant. Ça serait nice pour vrai. S'il te plaît, sois level 1. Là. Puis le reste, petit nom en français. Ah, oh, ça me plaît. Please be level 1. Ah, oh, ça. Let's go! Ça, c'est intéressant. Là, on parle. Là, on est dans mon range. Là. Bon. Là, faut pas oublier qu'on était level 11. Donc, le Pokémon qu'on va recevoir contre Rookie, on peut le monter level 11 sans avoir peur qu'il meure. Donc, let's go! On va avoir notre trio du commencement. Quand ça finit, quand on va recevoir pardon, le Pokémon en échange. Et la vidéo va probablement se terminer là. Parce que là, ça fait 53 minutes que vous m'endurez parler d'absolument pas grand chose. Vous regardez un tutoriel que vous avez probablement déjà fait. C'est vraiment excitant. Mais je suis quand même excité. J'ai hâte que ça commence, j'ai hâte que ça parte, j'ai hâte de voir qu'on va recevoir contre Gookie. Ouh! Ouh! Oh my god! Ice! Oh non, ça c'est sûr qu'il est pas level 1. Oh non! Non! Hey, ça aurait. T'imagines, dude! Ça aurait été fou, là. Mais non, je pense pas que t'es level 1. Toi. 60. Ah, bro! Dude, ça aurait été fou, red. Au moins, on est en train de fill-up notre Pokédex. Bon, let's go. S'il vous plaît, un Drippy, ce serait vraiment cool. Oh, whack. Dis-moi que t'es en bas de level 10. Dis-moi que t'es en haut de level 10. Ah, dis-moi pas qu'on va avoir un Orbeetle comme premier Pokémon. Ouh, 21! Ouh! Sauvé par le cap! Third time's the charm encore! On a un Vulpix tantôt comme ça, là. Moi, pour vrai, je suis pas déçu, là. Je suis vraiment content d'avoir un Vulpix. Donc là, à date, on va avoir un Flying Steel et un Fire type dans notre team. Donc on a un bon coverage, là. Les deux, ils se protègent bien. Oh, Cramorant! Lui, il peut être niveau 1. Il n'y a pas de pré-évolution.
c'est ce qu'on va voir. S'il te plaît, level 1. Ouh! Donc, on a notre trio. Non, 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 non. On a Cramorant, Rookie D et Vulpix. Donc, je vais voir si je peux changer leur nom ici. Là. Bon, clairement, on peut pas. Donc, on va voir qu'on roll with it. Et là-dessus, guys, c'est ce qui va terminer la vidéo d'aujourd'hui. Là. Ça fait déjà trop longtemps qu'on joue, là. C'était vraiment long. Mais, restez à l'affût, parce que la série vient de commencer. Ça va être vraiment excitant. Comme je disais, dites-moi dans les commentaires là, si vous voulez que je lise les conversations entre les personnages. Si ça peut mettre plus de vie pour vous, si vous trouvez que les temps morts sont trop longs, c'est quelque chose que je pourrais faire. Ça pourrait être intéressant. Sinon, si vous êtes, je voulais juste chiller, vous voulez m'avoir en background, ça marche aussi. Donc là-dessus, guys, je vous dis à la prochaine et restez à l'affût parce qu'il y a des matchs de la QPL cette semaine aussi. Donc, ciao, guys!